Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Johan Chouin-Joubert, je suis le fondateur et le président de Réalité, une entreprise qui produit du développement territorial, qui a une vingtaine d'années, qui est installée à Nantes et qui est une entreprise à mission depuis maintenant un peu moins d'un an. La mission de Réalité, c'est d'être utile partout, tout le temps, au développement intelligent des territoires. Et évidemment, dans cette mission, on sent qu'il y a le sujet de l'intérêt général. Dans l'intérêt général, on a des investissements sociétaux, mais on a évidemment tout un pan environnemental dans nos investissements. On s'est fixé des objectifs de transition énergétique très importants, puisqu'on sait aussi être une grande partie du problème dans la maîtrise d'ouvrage. On a eu envie d'être une grande partie de la solution et on va investir au cours des 5 prochaines années 30 millions d'euros. Évidemment, pour une ETI comme la nôtre, 30 millions d'euros, c'est une somme importante. On investit dans la transition, on investit dans l'industrialisation, on investit sur différents sujets, différentes thématiques, le zéro artificialisation nette, mais on a décidé avant tout de commencer par le sujet du carbone. Donc 30 millions d'euros, 5 ans, des actions concrètes pour être plus performants tout de suite maintenant. On a besoin de vous, on est très fiers d'être accompagnés par l'ITA parce que cet accompagnement a du sens, cet accompagnement représente quelque chose, cet accompagnement a de la valeur. Et nous, on a aussi besoin de votre accompagnement. Donc, au travers de la plateforme LITA, investissez chez Réalité. On ne peut pas, nous les entreprises, supporter une transition trop forte si ça fragilise nos enjeux économiques, si ça fragilise trop la trésorerie de l'entreprise. Et Réalité a trouvé une stratégie qui nous permet d'aller vite maintenant, vers du mieux, sans pénaliser notre développement économique et sociétal. Par avance, merci et à très vite.